Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 51 de la carrière de manager avec Lyon. Au programme de la vidéo, juste deux matchs, les quarts de finale de Ligue des Champions aller contre la Juve et un match contre Auxerre. C'est parti pour le premier match. Fin du match, un partout, on aurait pourtant mérité mieux après nos 12 frappes tentées. La Juve n'en a tenté que 3, tout se jouera au match retour. On va ensuite faire signer deux jeunes joueurs du centre de formation, Simon Rousset, 17 ans, 66 de général, et c'est un milieu central, et Bram Hendricks, 17 ans, 68 de général, un attaquant gauche, d'une valeur d'€1 million. On passe tout de suite au match contre Auxerre en championnat à l'extérieur, on fait totalement tourner l'équipe, Aldo Kalulu est titulaire en pointe, c'est parti pour le match. On commence à attaquer dès les premières minutes de jeu avec Mendy, le jeune joueur qui tente un tir lointain, s'est repoussé difficilement par le gardien. Au quart d'heure de jeu, on trouve une nouvelle fois Mendy qui va faire un dribble. Il entre dans la surface de réparation, effectue un deuxième dribble magnifique qui passe en petit pont et s'est encore arrêté. On revoit au ralenti le très beau petit pont. Malheureusement, ça ne termine pas au fond des filets. À la demi-heure de jeu, Maxwell Cornet part sur le côté droit. Il effectue lui aussi des beaux dribbles, élimine des défenseurs et va donner un caviar à Aldo Kalulu qui ouvre le score. 1-0 à la 28e minute. On peut apprécier sur ce but le travail de Maxwell Cornet sur le côté. Une occasion pour Auxerre à la 65e minute alors qu'ils sont revenus 1 à partout. Kilic frappe une première fois, la balle lui revient dessus, il retire mais c'est bien arrêté par notre goal. On a un corner à la 72e minute, c'est bien repoussé par le gardien auxerrois. Et dans les dernières minutes de jeu, notre gardien va lui aussi faire une bonne sortie. Fin du match, un partout, on ne prend qu'un point de notre déplacement à Auxerre. C'est déjà la fin de la vidéo, on n'aura joué que deux matchs, un nul contre Auxerre, un partout et un nul contre la Juve. Normalement dans la prochaine vidéo on reprendra le rythme de trois matchs avec le quart de finale retour de Ligue des Champions contre la Juve, un match contre l'Estac de Troyes à domicile et on terminera la vidéo par un match contre Monaco à l'extérieur. C'est la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, salut !